je m'appelle Leonie Saint-Ange, l'infirmière du village d'enfants SOS et du programme renforcement familial et développement communautaire. Et depuis mardi dernier, nous traversons une situation extrêmement difficile parce que le tremblement de terre a vraiment posé un grave problème en Haïti, surtout au niveau du village d'enfants SOS en Haïti et au niveau de la communauté dont SOS travaille. Et puisque la majorité des personnes ont décédé, il y a une épidémie énorme que nous allons enregistrer et dans les jours à venir, par exemple, et la conjonctivite, et la malaria, la typhoïde, des pathologies diverses. Et pour cela, nous avons demandé à SOS de continuer et d'élargir le cadre sur le point de santé parce que les hôpitaux sont détruits. Nous n'avons rien comme ressources en aide de médicaments pour donner des soins aux enfants et surtout aux collaborateurs qui travaillent au niveau du programme du village d'enfants SOS.